La qualité des lampes chez Petzl vient de notre activité d'origine qui est la spéléologie. La spéléologie nous impose d'avoir des produits qui soient fiables, qui soient de qualité, avec une ergonomie irréprochable et également une performance des plus hauts niveaux. Aujourd'hui, ce sont des points essentiels dans notre travail. La conception chez Petzl, c'est un bureau d'études important. On va y retrouver de la mécanique, de l'électronique, de l'optique et de l'informatique. Il faut tous ces métiers-là pour faire une lampe complexe, mais une lampe très performante pour nos utilisateurs. Pour bien valider nos produits, nous avons des plans de qualification qui sont conséquents. Malgré tout, nous utilisons également les services de laboratoire extérieur pour des choses qui sont très sensibles, comme les accumulateurs. On travaille également dans nos conceptions sur de la simulation. Nous sommes capables de simuler ce qui va se passer sur le terrain. Donc à la fois sur de la simulation thermique et à la fois sur de la simulation électronique et de la simulation optique. Le travail sur l'optique est très important. C'est un des éléments différenciants par rapport à notre concurrence. Nous cherchons toujours à avoir les faisceaux les plus propres, mais essentiellement les faisceaux les plus adaptés aux usages de nos clients. L'usage d'un sportif ne va pas être le même que l'usage d'un professionnel, d'un cordiste ou de quelqu'un qui va travailler dans des milieux confinés. Donc à chaque utilisation correspond un faisceau et un type d'éclairage. Chez Petzl, on a un laboratoire dédié aux tests des lampes avec une équipe de 3 personnes pour réaliser des tests de qualité, sécurité et usage des produits. Pour la qualité, on va s'attacher à regarder la robustesse des produits, notamment sur des tests de chute. Pour l'usage, on va regarder tout ce qui a trait aux performances du produit, autonomie, qualité du faisceau. Et en termes de sécurité, on s'attache à ce que le produit ne présente aucun danger pour l'utilisateur. On a pour cela développé des moyens d'essai spécifiques. On peut voir un banc d'essai pour l'autonomie. Là-bas dans le fond, on a des sphères intégrantes. Et puis encore une caméra CCD qui permet de traiter les images de faisceaux. Chez Petzl en production, nous avons 3 principes au niveau de la qualité et de la fiabilité. C'est l'autocontrôle, les systèmes d'anti-erreur qui nous permettent d'éviter toute erreur et bien sûr un contrôle unitaire final qui était réalisé là par une contrôleuse attitrée et validée au niveau de la qualité. Sur le robot d'assemblage des lampes Tika, nous avons 5 points de contrôle. Un contrôle du capot, un contrôle de la carte, un contrôle du graissage, un contrôle de la soudure et un contrôle final de fonctionnement où on vient tester tous les modes de fonctionnement de la lampe en fonction du modèle que le robot fabrique. Un système anti-erreur, à la fois en automatique ou sur les postes de travail, ça sert à éviter à ce que l'opérateur se trompe d'une couleur, d'une notice, d'une boîte d'emballage, en fonction de la référence qu'il a fabriquée. Le contrôle unitaire final sert à valider le produit en tant que fonctionnel, esthétique et sécurité. La contrôleuse vient vérifier ces 3 points en manipulant le produit et en vérifiant qu'il est conforme aux exigences Petzl. Alors les lampes sont garanties 3 ans, les accus 1 an, voilà, contre tout défaut produit, hors usure normale. Dès qu'un client a un problème avec une lampe, il nous renvoie sa lampe, on la réceptionne, on l'analyse, on la remet en conformité et on la retourne au client, le tout dans un délai de 7 jours.